Cassez la voix. Cassez la voix. Voici comment je me suis formé en design graphique grâce à La Salle Clermont. 8h52, quelqu'un sonne à ma porte. 8h53, un type avec une guitare et une chevelure bizarre me regarde. Ok, je l'avais pas reconnu, mais c'est Thibaut. Il m'explique qu'il est devenu sosie officiel d'un chanteur super connu. 8h56, je tente plusieurs personnes. Cyril Hanouna, Attic, Jules, mais avec une vraie coupe de cheveux. 9h12, il me fait une démo. Au café des délices. Ok, c'est Patrick Bruel. Et son nom de scène, c'est Fabrice Bruel. 9h15, Fabrice me dit qu'il est prêt à lancer sa carrière internationale, mais qu'il lui manque une bonne affiche de scène. Elle est dégueulasse. 9h16, je lui propose mon aide. Il accepte. 9h32, je cherche une formation sur internet. Ça tombe bien, il y a un bachelor design graphique à Clermont-Ferrand. Titre RNCP de niveau 6, reconnu par l'État. Ça s'appelle La Salle Clermont, il y a 15 places, ça dure 3 ans. La dernière année en alternance, une formation hors contrat, des débouchés multiples, du matos neuf, des enseignants professionnels. 9h34, je regarde dans mon agenda si j'ai quelque chose à faire sur les 3 prochaines années. Mais allez, c'est l'occasion. 9h43, ils ont beaucoup d'ordinateurs. Allez, je me lance. Au fil des semaines, je passe de ça à ça. Midi 22, je montre l'affiche à Fabrice Bruel. Visiblement, il est content. Et moi, je me suis formé en design graphique. En vrai de vrai, casser la voix. Ouais, mais j'ai plus l'imitation.